parents ont acheté cette maison quand j'avais tout juste 6 mois. Et à partir de l'âge de 3 ans, je viens ici chaque année. Dans les bons temps écoliers et d'étudiants, c'était pour plusieurs mois. Maintenant, si c'est 2 semaines par an, je suis content. Et ça fera maintenant 51 ans cette année que je suis de passage aussi. Tout autour a changé. Le village, bien sûr. Ici, on pouvait tout juste monter en voiture, mais c'était des rochers, des cailloux pour monter ici. Ça s'est tout lentement développé. De moins en moins de ruines, de plus en plus de maisons retirées, bien qu'habitées peu de temps dans l'année. Bon, ce sont des souvenirs d'été. Alors, c'est un été pareil au deuxième, au troisième, mais c'était un temps de se déconnecter complètement de la vie de grande ville. Et puis on venait, il y avait des enfants du village, principalement Olivier et Pascal Chabrol, qui étaient à peu près du même âge que moi. Alors on jouait ensemble, on partait dans la garrigue, on faisait du vélo là où c'était possible. Parfois j'aidais au Castellas quand il était encore ici en bas, dans le village, dans la masse de la vieille église. Le Castellas, il a dû être là jusque dans les années, début des années 80, peut-être, fin des années 70, où il est passé à côté du cimetière. Alors c'était un endroit où, bon, qui fonctionnait comme restaurant principalement le week-end et pour des mariages. Et quand il y avait des mariages, on se mettait tous à l'œuvre, les enfants, et on assistait, on aidait un peu, on assistait. Et puis, si j'avais l'occasion, je partais avec Madame Michelot, qui avait des chèvres. Ses chèvres à elle, mais aussi des chèvres à Pierre Stingel, qu'elle prenait. Alors on allait dans les champs, ensemble, pour une demi-journée, pour une journée. Et on partait un peu. Elle avait un bouc qui s'appelait Caramel, sur lequel je montais, et qui me laissait monter. Alors quand je retournais à la maison, on me prenait tout habillé dans la douche, que je m'en débarrasse de l'odeur de caramel. Alors il y avait quand même un rythme de vie différent. On pouvait facilement accéder à Uzès, mais il y avait presque personne n'avait le téléphone. Il y avait un téléphone au Castellas. Et puis, si jamais on voulait téléphoner à l'étranger, il fallait aller à la poste à Uzès. De la poste, téléphoner à une dame qui n'était pas toujours de bonne humeur à Montpellier, pour qu'elle fasse une connexion. Ça pouvait durer 15 minutes, ça pouvait durer 2 heures avant qu'on puisse téléphoner chez mes grands-parents en Angleterre. Alors on était vraiment coupés du monde. Mais bon, on faisait très peu. C'était ça l'objectif. Alors vraiment, parfois partir avec les chèvres, faire du vélo, se mettre à l'abri quand il faisait trop chaud. Voilà.
Parfois, peut-être, si Claude Chabrol ou Gérard Chabrol faisaient des travaux dans le champ, on pouvait aller avec et voir un peu ce qu'ils font, mais pas pour travailler. Alors, il fallait vraiment trouver le temps, ou bien aller dans la montagne et trouver des fossiles. Ça aussi, c'était une activité. Ou aller au chaudron, ou bien plus loin, à la chute d'eau, pour nager dans le ruisseau. Parce que là, plus loin, avec la chute d'eau, avec les sources qu'il y a là-bas, on pouvait quand même en été, lorsqu'il y avait peu d'eau, on pouvait quand même nager. C'est pas facile de raconter des temps où on ne faisait strictement rien. Et c'était l'endroit fait pour ne rien faire. Bon, après, je commençais à passer mon temps à lire des bouquins, mais la jeunesse comme ça, c'était génial.